Patrick Puydebas, connu depuis 30 ans pour son rôle de Nicolas aux côtés d'Hélène Rollès, fait de rares confidences sur sa femme Magali, ce 7 avril. Patrick Puydebas incarne Nicolas dans Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour et aujourd'hui Les mystères de l'amour, depuis 30 ans. L'acteur s'est confié sur France 2 sur son casting pour la série, et comme il l'a raconté dans l'émission, il n'était pas du tout préparé le jour de son audition, j'avais oublié que j'avais un casting et j'étais dans une fête au Bourget. Ça va, c'était sur le trajet. C'était des fêtes techno, des raves sauvages qui étaient non autorisées. Je n'étais pas frais. Donc j'étais avec des copains dans la voiture et on a traversé la plaine Saint-Denis où étaient les studios d'Ab à l'époque. Patrick Puydebas a épousé Magali à l'été 2022. Le partenaire d'Hélène Rollès à l'écran a aussi accordé une interview dans les pages de Public, parue ce vendredi 7 avril. Mais après avoir partagé certaines révélations sur ses débuts dans la sitcom Made in Ab Productions, celui qui campe le rôle de Nicolas Vernier s'est ensuite confié sur son couple avec Magali. Une femme qu'il a rencontrée à l'été 2020 et qu'il a épousée l'été dernier. Et au sujet de son épouse, l'homme de 52 ans a rapidement salué les nombreuses qualités de cette dernière. Elle est belle et intelligente, indépendante. Et on aime tous les deux beaucoup faire la cuisine, on ne fait que manger, a reconnu Patrick Puydebas. Avant d'ajouter, le mariage, c'était vraiment juste pour le kiff, et aussi pour faire comprendre à son fils que je n'étais pas seulement de passage. Le comédien n'est pas, encore, papa, mais si son épouse a déjà un enfant, lui n'en a pas. Si est-il un concours de circonstances, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, affirme l'acteur. Même si j'ai du mal à m'imaginer dans les couches à 52 ans, ma femme est plus jeune que moi et on ne fait rien pour que ça n'arrive pas, a-t-il ajouté à ce sujet. Patrick Puydebas ajoute qu'il adore son fils, avec qui il entretient une relation de copain. Mais je l'aide aussi beaucoup à faire ses devoirs. Je kiffe aller aux réunions parents-prof. Je suis ravi d'avoir ce gosse dans ma vie, conclut-il. À lire aussi Je n'étais pas frais, Patrick Puydebas raconte son arrivée mouvementée dans le casting Hélène et les garçons.